de discuter plus longuement Merci, Monsieur chez le vous. ministre. Mais sur ce point précis de la lutte contre cette insécurité endémique, eh bien, il y a un point important, qui est peut-être le plus important. C'est les intérêts économiques du Rwanda en RDC. Et c'est ça la véritable motivation de cette guerre qui a duré pratiquement 30 ans. Le Rwanda, l'année passée, a exporté pour près d'un milliard de dollars d'or et de coltan, dont plus de 90% proviennent de la République démocratique du Congo. Ça, c'est documenté, c'est connu. Pour l'or, le principal pays de destination, c'était les Émirats arabes unis, qui n'en pouvaient plus de vivre cette situation et qui se sont rapprochés de nous et avec qui nous avons signé un accord que je dirais historique. Désormais, nous traitons directement avec eux et nous coupons l'herbe sous les pieds du Rwanda. Tout l'or qui était exporté via Kigali et même via Kampala est en train d'être récolté en République démocratique du Congo, exporté au nom de la République démocratique du Congo. On vous a donné les chiffres. 2021, on a fait à peine 23 kilos d'or. 2022, je crois, 34 kilos d'or. 2023, pour 2 semaines simplement, on était déjà à combien? Une centaine de kilos d'or. Et donc, on est en train d'opérer un grand changement. Et c'est d'ailleurs tout cela qui explique l'agitation du Rwanda. Le Rwanda veut contrôler l'espace pour continuer à faire travailler ses mines clandestines, parfois avec la complicité de certains Congolais, malheureusement, mais c'est là le véritable nœud de la guerre. Et nous sommes en train de le dénouer grâce au courage politique du président de la République. Et je pense que nous sommes, comme l'a dit mon collègue, nous sommes en train de dépouiller le Rwanda de tous ses arguments et nous lui montrons clairement ce qu'il est, ce qu'il fait. Et tous ceux qui ont accepté de couvrir ces méfaits aujourd'hui sont de plus en plus réticents parce que c'était inacceptable. C'était de l'or du sang, du coltan du sang, qu'on a fermé les yeux en nous faisant passer nous pour les plus mauvais. Et c'était nous qui étions pointés du doigt dans nos industries de cobalt, etc. Alors que le vrai problème était juste à côté, sur un pays qui était encensé pendant des décennies. Voilà un des grands changements que nous apportons pour nous enlever cette humiliation dont vous avez parlé. Merci. Voilà.